Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ici Starcade votre hôte, et nous nous retrouvons pour une vidéo du premier de la classe sur World of Warships. Avec qui en vedette? Avec qui? Ben, votre ami Starcade, avec son Henri IV, croiseur français de rang 10, la baguette du jeu, c'est une grosse baguette. Alors, je sais pas si je vais avoir la main, je n'ai aucune idée. On va voir. Ouais, c'est bon, je peux avoir la main, parfait. Donc, qui est-il dans l'équipe? En face, il y a un Audacious, il n'y a que du rang 10 déjà. Un Audacious pour le porte-avions, Conqueror, deux Kurfürst, trois Kurfürst pour les cuirassés, les croiseurs Hindenburg, Venezia, Zao, Mosva, et pour les destroyers Z-52, deux Halland. Chez nous, on a un Midway, donc c'est un peu mieux, je pense que le Audacious, mais je suis pas sûr. Montana, deux Républiques, un Kurfürst, pour les cuirassés, un pour les croiseurs, un des moines, moi-même en Henri IV, un Hindenburg, un Zao, et pour les destroyers Gering, Shimakaze, Halland. Donc alors je rappelle que ce navire je le joue totalement en harceleur longue distance. Hein. En harceleur longue distance. Bah, y a pas de liaison entre harceleur, etc. et la voyelle d'avant. Qui a précisé, hein, le H de harceler est un H aspiré, donc aucune liaison. Pour tous les gens qui disent ouais je me suis fait harceler, ok, mais l'harceleur par exemple, on dit le harceleur. C'est comme le héros, c'est pas l'héros. Ouais, alors on est en boucle, je crois. C'est Haut du Nord, et bien sûr, comment on appelle ça déjà? On appelle ça l'épicentre, un mode de jeu que tout le monde adore particulièrement. Bon, j'aime beaucoup le Henri IV. Oh là là, même moi je me fais prendre au piège. J'adore le Henri IV, c'est un très bon navire. Si je me fais pas exploser dès le départ, je peux harceler toute la partie en fait. Alors c'est sa vitesse, son taux de rechargement de ses 240 mm c'est quand même énorme. Il a le rechargement rapide, l'hydro, donc ce qui ne gâche rien. Par contre il a une fragilité extrême, hein, donc pas se mettre deux flancs, ou alors deux flancs mais très très près. Comme ça la titelle ne peut pas être touchée, enfin les abus passent au travers. Et à longue distance ou moyenne distance, les citadelles c'est monnaie courante. Hein. Touché, petit incendie, ouais. Alors j'adore harceler et mettre d'incendie avec ce navire. Je me souviens plus du tout du taux d'incendie, mais c'est impressionnant quand même. C'est 240 mm aussi, hein, faut pas non plus déconner. Le petit Halland là qui essaie de faire une percée. Je touche. J'ai activé le rechargement rapide. Au lieu de 12 secondes et 6 secondes je crois. Touché deux fois avec un incendie et un élément neutralisé. Ne pas être content. Pas grave. Ah, 6100 quand même là. C'est le Conqueror, je pense, ouais. C'est le Conqueror avec ses explosifs, ses obus incendiaires, il est mortel. Là. Même sur un navire comme le mien. Pour avoir le Venezia va poser problème pendant toute la partie, je crois, en plus, si je me souviens bien. 3 incendies, ça va. J'aime bien la musique. Je suis visé par deux navires. Ouais, raté mon petit. C'est Venezia, je crois, m'a tiré avec la. À la paix, et non pas à la sap. Conqueror. Alors j'aime bien ce Conqueror, c'est lui faire manger ses propres. Enfin, lui faire goûter sa propre médecine. En anglais, have a test of your own medicine. C'est-à-dire lui mettre des feux quoi. Et hop, un incendie, mon petit pote. Voilà, grâce à la vitesse, bien sûr, il peut. Il a une vitesse assez rapide, mais il peut aussi ralentir très vite et réaccélérer très vite. Le R4, pas aussi vite qu'un anglais, bien sûr, mais bon. Un incendie à nouveau. Tu dois être ravi de voir un incendie. Incendie sur incendie. Alors là je me tourne un petit peu vers l'intérieur quand même, parce qu'il faut essayer de se débarrasser des navires du centre. 6732, putain c'est des petites claques quand même, hein. C'est des petites claques mais des petites claques aux... C'est des grandes claques aux petites oiseaux d'ailleurs, hein, je dirais.
On a perdu aucun navire de chaque côté, il y a bout de 5 minutes de jeu, toujours pas de navire détruit. Un incendie sur le Kurfürst, il va être ravi. Il l'arrête pas, pour l'instant en tout cas. Il vient déjà me viser, je pense, à mon avis, non, quoique. Il a bien fait de lancer son écran de fumée. Hein. Sinon, j'étais parti sur la paix, sur lui. Ah, il l'a pas eu. Par contre, moi, je me fais allumer là. Je sais pas par qui, mais je fais allumer. Le Kurfürst là-bas peut m'avoir allumé, ça peut être aussi le... Ah oui, oui, le Zao. Le Zao mortel. Faire attention au Zao. Là je vise le Kurfürst là, on verra bien. Les Zao sont des... C'est vraiment très bon navire, ils sont bien joués, ils jouent bien là, le Zao là. Zorg. Ah, je passe inaperçu à nouveau. 52 000, 6 incendies, ça va. Et la bataille n'est pas terminée, ils ont perdu un navire quand même. Ils ont perdu un Kiev, non, un Isat 52. Celui qui était au milieu. Si avec un peu de chance je peux lui faire mal au Venezia, ce serait pas mal. Deux pénétrations en citadelle. Et je lui ai cassé son moteur aussi. C'est amusant. Deux autres citadelles, 13 000 points. Je dis attention tout le monde, concentrez-vous sur le Venezia. Allez, allez. Je suis resté à ma place, j'aurais pu le finir. J'étais un peu bête. 82 000. Il reste là. Ah oui, là, avec le moteur cassé. Évidemment, par démarrer. Wouhou, entre les deux, cool. Allez, adieu, petit Venezia. Par contre, il va faire mal, il va me faire mal aussi, je pense. Ouais, il m'a fait 10 000 points avant de mourir quand même. Hein. Petit con. Hein. Prends l'action Conqueror. Ça va. Toujours visé, il m'a tiré de la cheveux. Ouais, ça va, ça rebondit. J'ai reçu lui aussi, je rebondis. Alors, ils en sont à deux navires détruits, mais nous aussi, 2-2. Donc là, la bataille est serrée, même si on gagne au point pour l'instant au stratégique, on a 300 points d'avance quand même. 87 000 un navire coulé, 6 incendies, 8 incendies, excusez-moi. Défendu, Kurfürst détruit par le Midway. Bon, ok, c'est vraiment un harceleur longue distance. Hein. Entre 15 et 20 km, c'est son paradis. Quoi, le s'il y a beaucoup de navires encore en face, c'est son paradis de vraiment de disperser ses tirs, faire des feux avec Terrarigo. Ah bah, par exemple, là, oui, là, je suis mal. S'il me touche, s'il a bien visé le mec, je suis mal. Heureusement, il a mal visé. Six pénétrations. 96 000 points de dégâts, ça va, ça va. Pour être pire, pour pleuvoir. Là, je suis toujours repéré. Par qui, je sais plus. Il y avait un navire qui me repère, parce que derrière l'île, là où je suis, là, normalement, personne ne peut me repérer, à part un destroyer. Je verrai pas. Audacious a détruit le République avec une explosion de dépôt. Eh ben. Et il recule Starcade, il recule. Voilà. Ah, je suis repéré par les deux, là. C'est pas possible autrement de toute façon. Il y a le. J'allais dire Volca, le boss va. Un incendie encore, on suit à 9.
Aïe, heureusement que j'ai avancé, que j'ai pas reculé. Ah oh bah il est mort de son. Ouais bah voilà. Destruction par le Henri IV, merci beaucoup. Pour. J'ai encaissé au 5100. Mais c'est. Et tic-clac, au fur et à mesure de tic-clac, mais c'est à chaque bordée. Hein. Ça peut faire mal. Bon, qu'est-ce que je fais là? J'attends quoi là? Il avance là. Starkad, tire! Bah ouais, ça. On a perdu 3 navires et le 5, ça veut rien dire. Bon, on a gagné 890 000 là. 890, on va gagner sans doute au niveau des points. 5100 encore. 5600, pardon. Il est temps de lancer la dernière réparation, peut-être. Attends un petit peu, Starkad. Ouais, bah, mieux attendre de toute façon. 905, 2 feux. Rah, 2 feux, le mec, en fait, il doit être fou, le mec. 120 000 points de dégâts. 920 points, ils sont mal, ils sont très très mal en fait, au niveau des points. J'ai bien tourné au moment où il fallait, le Mosva m'a raté. 930 points. points. Le 240 mm du Henri IV, ça fait mal, hein. C'est il est plus ou moins équivalent et même plus supérieur au 220 mm du Petropavlovsk quand même, hein. 994, on a gagné, c'est bon. Voilà. Bon ben voilà comment je joue mon Henri IV en harceleur total. Mise à feu totale, donc merci d'avoir regardé jusque là en tout cas, et c'était une bataille rapide. Et regardons les panels de fin de partie. Ciao ciao et à la prochaine vidéo, les petits amiraux et les grands capitaines. お前はもう死んでいる。何？